Voilà, tu manques à t'en rappeler comme ça. Conscience et il est en cavale. J'aurais dû le ficeler et dire à la police de le récupérer. Alfred, j'ai croisé un des assassins. Lester Bouchinski. L'électrocuteur, vous allez bien? Oui, mais il a réussi à fuir. Ses gants émettaient un fort signal électromagnétique. Si vous isolez ce dernier, je pourrais retrouver ce malfrat. Je vais m'en occuper. Où allez-vous maintenant? Je me dirige vers le casino du Final Offer. Je vais demander à l'assistante du pingouin de me conduire jusqu'à son patron. Il remonte. Il y a quoi de l'autre côté? Que dalle. Essayons avec le séquenceur. Non. Données de chantage. Crypté scellé dans un coffre. Pour accéder à ce pack de données, il faut tout d'abord ouvrir le coffre. On va essayer par là, là. Cherchons donc ce coffre. Le casino. L'assistante du pingouin doit être tout près. Je vais lui demander où est le bureau de Cobblepot. Bon, Avini, il oublie toujours des trucs. Ah, tiens. À t'apprendre. C'est terminé. Ça doit pas faire du bien à la mâchoire, ça. C'est vraiment très dur à la comprenette, hein. Monsieur Cobblepot veut pas de nouveau booster. Donc pas question que tu entres dans le théâtre pour le voir. Alors tu peux faire demi-tour. Montrez-lui la porte, les gars. Permettez-moi d'insister. Adieu, Batman! C'est lui! Si Cobblepot découvre qu'il est venu jusqu'ici, on est mort! Buffez-le! Hop! Faut l'arrêter! Un petit peu trop dangereux avec ton arme. Saleté! Si vous laissez atteindre Cobblepot, vous êtes mort! Est-ce que c'est bien compris? Bah oui, montrez-moi. On dirait que le bureau de Cobblepot est relié au théâtre. Et l'entrée est contrôlée depuis la salle de sécurité. Bien, est-ce que j'ai déchiffré le code? On va supposer que oui. C'est quoi ça? Sommes-nous. On va essayer de faire péter ça. Non.
interrupteur activé par la pression pour contrôler la machinerie et les systèmes électroniques. Bon, c'est pas ça. Là où il n'y a rien. Je vais supposer que j'ai déchiffré un code d'après ce qu'il y avait écrit, même si j'ai rien vu qui ressemble à ça. Ah bah je peux pas sortir de toute façon. C'est quoi ça? C'est juste un gars. Ça c'est juste une arme. Même avec ce pass, impossible d'ouvrir la porte. Je dois réussir à entrer dans la salle de sécurité pour accéder au théâtre. Salle de sécurité est là. Et on y accède par là, voilà. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas elle qui va me dire ce que je dois faire. T'as raison. Faut pas les laisser porter la culotte. C'est ce que mon père disait, bien sûr. Ma mère le cognait juste après. Tu m'étonnes. Alors, hop, voilà. Clandestin. On va tuer cet enfoiré! J'ai cru voir qu'ils étaient armés. Les derniers gars ont dû les payer. Ouais, je me sens bien mieux. Ah, j'ai mis mon pas, putain! Il va se fatiguer. Je crois qu'il m'avait. On va régler ça. Laisse-moi partir. Vas-y, pars. Sors une minute et donne-moi un coup de main. Non, je peux pas. Il fait son boulot. Il fait ce qu'il a fait. Ouais. Quelqu'un sera trop dans la vie. Allez, t'as un bateau plein de cognac, les cigares. À qui est en train de parler? T'es mort de la poussière au meilleur. J'en sais rien. Débrouille-toi, ma vieille. Il est en train de m'appeler. Ah, oh, oh, je suis vraiment dans la merde. Candy. Non, elle a mérité une correction, celle-là. J'espère que c'est un rouge à lèvres que tu cherches. Cobblepot va pas être content quand il va savoir tout ça. Pas très maline. Allez, libère-moi. C'est pas marrant. T'as oublié de dire s'il te plaît. C'est ça. Allez, j'en ai ma claque. Ouvre-moi et laisse-moi sortir. Hé, hey, tu peux pas faire ça. Le bureau du pingouin. Je vais retourner là où j'étais à l'avant. Où j'étais allé avant. C'était par là. Il y avait une porte avec une sécurité, cette fois je l'ai, la clé. Donc je devrais pouvoir l'ouvrir. Et résultat. C'est pas ça. Donner le chantage crypté, blablabla. Relié aux portes de sécurité. Eh ben c'est bon, j'ai ce qu'il faut, non? A priori, non.
ouvrir le coffre. J'ai pas vu de coffre là-bas. Je vais y retourner. Ah mais non, le coffre, je l'ai ouvert justement. Le coffre fort. Mais je suis pas allé dedans. Oh, toujours en train de gueuler celle-là. En plus, elle a une voix affreuse. Oh, c'est là. Hey mon gars, tu sais que t'es pas le bienvenu ici. Et tu sais ce qu'on fait aux sales fouineurs? Oui, et ben tu vas le découvrir, hein. Super. Tiens. Vas-y, à mort. Lâche-moi, voilà. Le laissez pas me blesser. Ta tête sera splendide sur ma cheminée. Écrasez-lui la tête. Je peux causer tâche et je peux pas mourir. Et bim. Il était un petit peu plus mastoc. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Regardez le Final Offer. N'est-ce pas une beauté? Et dire que je l'ai acheté pour presque rien, une bande de pirates somaliens. Il voulait le vendre en pièces détachées. C'est fou, hein? Il ne s'est pas toujours appelé le Final Offer. C'est moi qui ai eu cette idée. Dans une autre vie, c'était le cargo et navire de croisière Olivia B. Meredith, un fier et beau navire. On n'en fait plus des beaux comme ça. Il est solide, avec tous les aménagements dont on puisse rêver. Ces pirates ne savent pas quelle beauté ils ont laissé partir. Bien, maintenant que t'as fini ton monologue, à moi de faire le mien. C'est bien que M. Falcon n'acceptera jamais ça. Tu veux finir dans la glace, tes amis? Oh, du bande d'enfoirés. Vous savez pas qui est. Fais quoi? Écoutez, on se sépare et on trouve ce fumier. Pigé? Où est le dernier? Il me semble qu'il en reste un. Ouais. Et hop. Oh merde! Bien. Avançons. Des ice cubes. Le cube de glace. Te voilà. Oh, il en restait. Ah bah oui, il en restait. Parle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien fait du tout. Qui est ton patron? Qu'est-ce que le pingouin lui veut? Alberto Falcone. Mais je ne sais pas du tout ce que lui veut le pingouin, je le jure. Une
bien rien, je peux par ici, je vais y aller. Alors, où en sommes-nous, Candy? Vous avez suggéré que le petit Alberto, ici présent, est poussin. Essaie de convaincre son père de prendre sa retraite anticipée. Il a refusé, il vous a traité de... voyons... de petite, ordure, déphasée. Non, 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 pitié! Tu ferais bien de m'écouter, Falcon. Parce que c'est la dernière fois que je... demande. Qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Qu'on va arrêter de vendre des armes. Je te le promets. Je vais l'y obliger. Je vois tes lèvres bouger, Bertie. Mais j'entends pas le son que je voudrais entendre. Oh oh. Oh oh, oh. Vous avez intérêt à le tuer, les pitiés. Je me fais pas de mal. Qu'il vous butera. Ouais, allez, vite. N'oubliez pas pourquoi je vous fais, les gars. Tuez-le, bande de mauviettes. Une masse. Bougez-vous. Tuez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez une invitation personnelle? Visez-lui la tranche! C'est bientôt fini! Posez-lui le cul, bande de gros ratés! Allez, vite! N'oubliez pas pourquoi je vous paie, les nazes! Tu pourras pas trop leur donner d'argent, là. Non, attends! Attends une petite seconde! Ah, je t'ai observé! Tu fais la même chose que moi! Black Mask! Il a mis ma tête à prix. Où est-ce qu'il est? Je surveille pas tous les tarés surexcités. T'es pas très populaire dans cette ville. Patience, à des limites. Ah, attends, attends. Les Lacey Towers, il y a eu un meurtre. Il était censé être à l'abri là-bas. Mais ce vieux Black Mask, il a de gros soucis à mon avis. Quelqu'un est entré et... Je dirais que la partie est finie avant d'avoir commencé. Je ne suis pas très joueur, Slade. Ça va chier. Dis-moi où je peux trouver Black Mask. Le trouver a été bien plus facile que je le croyais. Peut-être. Quel rat.
petit peu trop tard. Les plus hauts résistants. Je te l'accorde. Ah non mais là c'est de la triche là. Tiens. Reprends ton jouet. Cette technique est nulle. Là, c'est le drame. Sache que tu meurs dignement. Ce dont peu de gens peuvent se vanter. Oh, le mauvais. Pourtant, je le sentais bien, là. Je sentais que ça passait. Mais j'avais pas l'impression de le toucher beaucoup. Black Mask. Déjà, je vais m'offrir... un petit bonus de corps à corps, voilà. Pourquoi la chauve-souris ? Surprenant.
plus de bâton. Content de t'avoir vu, Batman. Tu trouveras la sortie tout seul. Le pingouin ne doit pas s'enfuir. J'ai d'autres questions à lui poser. Voilà, avec une toute nouvelle arme, un nouveau jouet. Franchement donné par Deathstroke. Et ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine, on repartira à la poursuite du pingouin. Je dois me hisser jusqu'au balcon. L'appareil que Deathstroke utilisait devrait marcher. J'espère que ça vous a plu. Salut!